Voilà, petit basse en nymphe. Salut, salut les mordus, bienvenue sur Nervirax. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on monte des petites nymphes qui sont très bonnes pour le black bass. Donc des larves de libellules. Elles sont noires, elles sont un petit peu plombées et ça permet de pêcher assez lentement à travers les nénuphars. Parce qu'on les voit vraiment, ils sont planqués là sous les nénuphars. Il faut arriver à leur balancer pas loin du nez et puis essayer de les avoir à la réactivité. Donc pour nos matériaux de montage, on va prendre un hameçon à longue hampe, numéro 8, hampe droite, fort de fer, du fil de plomb en 0,6 mm, fil de montage numéro 6 en 6,0, noir, du bucktail, du flash holographique ou pas, holographique c'est un peu mieux, vous voyez au niveau de la brillance, ça donne des effets de mouvement. Notre herle de pan. Et un sable de faisan pour les pattes et les litres. Voilà nos matériaux. Voilà, on vient donc en première étape, on vient fixer notre fil de plomb sur la hampe et on recouvre les trois quarts de la hampe, donc 75% de la longueur de la hampe. On la recouvre avec du fil de plomb en 0,6. Ce qui est important lorsqu'on effectue les spires, c'est de ne laisser aucun espace entre les interstices pour éviter en fait toute irrégularité et pour éviter aussi que la soie vienne se bloquer, vienne se caler entre nos spires. Voilà, donc on recouvre quasiment les trois quarts de la hampe. On presse bien de chaque côté à chaque fois qu'on effectue 3-4 spires de façon à bien comprimer le fil de plomb. Et une fois qu'on a donc supprimé nos excédents, délicatement, on vient donc rabattre chaque extrémité le long de la spire précédente pour encore une fois éviter les irrégularités et pour éviter d'abîmer aussi notre soie de montage. Et afin de sécuriser le tout, une petite goutte de vernis sur le sommet, de façon à sécuriser donc le fil de plomb, il va être collé donc sur notre hampe, et ça évitera aussi notre fil de montage de se bloquer entre les spires. Ensuite donc on vient fixer notre soie au niveau de la fin de la hampe. Maintenant, nous allons donc ajouter nos fibres de bucktail. C'est pour donner un peu plus de forme aux fibres synthétiques qu'on va rajouter par la suite, de façon à ce que ça pulse un petit peu plus. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, pas besoin de les égaliser au stacker. C'est vraiment là quelques fibres de façon à donner de la forme à nos fibres synthétiques qu'on va rajouter juste après. Voilà, maintenant on va rajouter une bonne pincée avec une quinzaine de fibres synthétiques, que ce soit du flash à bout, que ce soit du laser flash, n'importe quoi, noir bien sûr. Et on essaye donc de les enrouler de façon à ce qu'elles se mettent toutes le long de la hampe. Voilà, qu'elles se répartissent le long de la hampe. Et ensuite, voilà, on vient fixer nos fibres. Donc je reviens là, je repasse sur mon fil de plomb pour que le montage soit un petit peu plus propre, pour sécuriser là les prochains ajouts de fibres ou de matériaux.
de façon à éviter que justement la soie passe entre les spires. Donc on passe dessus dans un sens et on repasse dans l'autre sens. On revient jusqu'au niveau du nœud qui maintient les fibres. Voilà, maintenant donc deuxième étape, nous avons donc formé la queue de notre larve de libellule. On va venir maintenant placer notre hacle de coque, donc de couleur sombre de préférence, donc noir, brun, rouge, roux aussi, comme là c'est le cas. Et donc on vient fixer notre hacle par l'extrémité de la plume. Donc on l'enroule, on le fixe sur quelques millimètres, 3-4 millimètres, il faut que ça tienne bien. Car le rachis est assez fin à cet emplacement, donc les 3-4 mm étant fixés, on peut revenir sur nos enroulements. Et ensuite, on vient fixer notre herle de pain, qui va former le corps. Et donc maintenant, troisième étape, qui est la plus longue et la plus méticuleuse, ça va être donc de fixer les pattes et de former l'abdomen et le thorax de notre nymphe. Nous allons fixer deux pattes de chaque côté et utiliser donc les excédents côté rachis là, de nos premières fibres de sable de faisan pour former donc la deuxième paire de pattes. Donc l'extrémité du sable de faisan va servir à former les pattes de l'arrière. Et donc l'excédent côté rachis fera donc la deuxième paire de pattes en partant de l'arrière. Donc on vient bloquer et sécuriser notre faisan. Ensuite on le rabat vers l'arrière et on vient effectuer quelques spires juste avant, de façon à ce que les pattes soient vers l'arrière. Nos spires, quand on reviendra sur nos fibres de faisan, vont les bloquer vers l'arrière. Voilà, la soie bloque nos fibres de faisan. Donc là, nous avons déjà 4 pattes sur notre larve. On va en rejeter 4 autres. Ça paraît surprendre un petit peu, là. Donc un insecte est censé avoir 6 pattes, mais là, pour le coup, on va lui donner un peu plus d'effet et on aura 4 pattes. 8 pattes, pardon. Ceci étant fait, voilà, donc on vient prendre nos deux herles de pan et on vient donc l'enrouler autour des spires de plomb tout en faisant attention à ne pas bloquer nos pattes en sabre de faisan, en fibre de sable de faisan. Voilà, donc on vient fixer les pattes par étape. Vous avez vu, je ne les ai pas toutes mises d'un coup. Je n'ai pas mis mes 8 pattes ou mes 6 pattes d'un coup. De façon à pouvoir effectuer les spires avec le herle sans avoir de difficultés. Donc, par étape, c'est-à-dire que vous allez donc fixer vos deux premières fibres qui vont former 4 pattes. D'accord ? Et ensuite, on pourra venir rajouter nos fibres de faisan juste après. Donc nos enroulements, nos spires là de herle, on fait bien attention à rabattre aussi les petites pattes. Et une fois qu'on a recouvert l'ensemble, du moins la moitié du thorax où se trouvent les 4 premières pattes, on sécurise, on bloque le montage avec quelques
quelques spires, on bloque notre herle et on vient ensuite donc fixer le restant de pattes. Et finalement, notre hacle. Une fois que nous avons mis notre herle et que donc nos pattes se sont bien formées, qu'elles sont bien perpendiculaires dans la mesure du possible à notre hampe, on vient finir par enrouler le hacle de la même façon que nous avons enroulé les herles, en faisant bien attention à ne pas recouvrir nos fibres de faisan pour garder l'orientation qu'on a donnée aux pattes. Enfin, dernière partie, donc on va venir fixer notre futur élytre et ensuite donc faire les dernières pattes. Nous allons donc monter les dernières pattes de notre larve, une de chaque côté, une fibre de chaque côté. On revient donc du côté de l'élytre avec notre soie de montage et on viendra fixer un dernier herle de pan qui viendra donc recouvrir notre soie de montage et former la tête de notre nymphe avant de rabattre notre élytre vers l'œillet. Voilà, notre montage est fini, nous avons plus qu'à couper les pattes. Il faut bien faire attention là dans ce cas à laisser donc les pattes avant plus longues que les pattes arrière, donc du côté de l'œillet, elles seront un petit peu plus longues. Ça forme un petit peu comme un triangle nos pattes. Et les pattes arrière, là,
la quatrième paire de pattes arrière, celle-là on les laisse un petit peu plus longues aussi. Voilà, qu'elles courent le long de la queue. Et une fois qu'on a coupé donc notre excédent de laser flash et de bucktail, voilà ce que ça donne, une jolie petite larve de libellule. Oh putain, bon. Oh, c'est filmé. Ah ouais, c'est filmé. Et voilà. Non, validé. Petit. La petite nymphe que vous allez monter chez vous pour faire plein de basses. Allez, à plus les mordus!